Et bien bonjour à tous, salut salut sur Jumper. J'espère que vous avez bien écouté. Moi ça me dit quelqu'un la tune. Et oui les gens, je me suis mis comme ça pour l'intro. Parce que là je vais vous montrer un truc. Parce qu'après ça va vous stresser tout du long une fois que je vais le vouloir dire. Mais regardez, en gros si je me mettais comme ça, il y avait un énorme point noir sur mon visage. Voilà. Donc c'est aussi pour ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas là? Qu'est-ce qui se passe? C'est un ninja mon voisin? Alors aujourd'hui les gens, comme vous le voyez, on se retrouve pour un tycoon nommé Mansion Tycoon, qui a l'air mais tellement stylé de ouf. Regardez déjà, attends, on a carrément une ville entière tout autour de nous. Il y en a des... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, tu peux avoir des pets? Tu peux avoir des pets dans un tycoon? Mais c'est excellent! Et ça c'est quoi ça? C'est un... J'ai obtenu une épée... Ah, oh, j'ai obtenu un nuage! Oh, énorme! Et vous l'avez compris bien sûr! Aujourd'hui, on est là, bien sûr, pour construire une énorme villa. Et justement, alors je peux voir que je peux récupérer ma thune directement dans la boîte aux lettres, ça roule. Mais attends, mais à quoi ça sert le pet? Oh, c'est pour gagner plus de thunes, mais c'est génial, mais c'est comme dans les simulateurs, en fait. Ah, génial, sauf que bon, par contre, l'épée en plastique... Oh, le petit colis qui vient de tomber, là. Voilà, ils auraient pu me donner une vraie épée en métal, quand même, non? Non, parce que les ballons gonflables de jouets club, là, ça commence à suffire, hein, voilà. Donc, du coup, alors, attendez, on va essayer de construire. Alors, on va déjà commencer avec l'herbe. Voilà, l'herbe qui est, bien sûr, gratos, hein, bien entendu, voilà. Alors, ensuite, on a quoi? La porte. Alors, j'imagine que plus je vais construire, plus je vais obtenir de thunes. Ah, voilà, c'est bon, on est passé à 400 dollars de banque, juste avant dans la boîte aux lettres, très bien. Et je peux voir qu'à droite... Attends, je peux cliquer dessus directement. Ah, non, je n'ai pas la collecte automatique, malheureusement. Voilà, alors là, du coup, on a quoi? Alors ça, je vais prendre, voilà. On a des arbres, ok. Mais en vrai, il y a tellement de trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Prochaine rue vers l'or dans 1 minute 11. Et si j'active maintenant... Ah, d'accord, ok, bon, c'est bien, c'est dans 1 minute, ça passe. Ici, on a bien sûr le rebirth, ça roule. C'est quoi le magasin? Ah, d'accord. C'est pour avoir une licorne, d'accord, super. Dit rebirth, c'est pour avoir une licorne. Bah écoute, pourquoi pas, hein, bien sûr. Donc là, on va y mettre une porte, là. Contrôle de porte. Ouh, attends, mais où l'interrupteur? Comment que ça se passe? C'est genre... Attends, c'est peut-être... Ah, voilà, c'est ici. Je cherchais justement le système pour ouvrir la porte. Voilà, on va fermer. Voilà, comme ça. On referme. Allez, voilà, c'est bon, referme, voilà. Bon, alors attendez, on va aller directement ici. Alors, acheter le contrôleur de porte qui est totalement gratuit, bien sûr. Ensuite, les escaliers, bien entendu. Ensuite, le Porsche. Rien à voir avec la voiture, hein, bien sûr. On a 466, ça roule. Le pilier, le plancher, les murs, le chemin... C'est marqué un chemin de fer? C'était vraiment marqué ça? Ok, très bien, écoute, why not? Alors attends, on a une ouest. Oh, 1400! Oh, c'est ça que c'est bon. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ce délire? Une bobine? Ah, c'est un truc de gravité. Oh! Un pet légendaire! Dans 35 minutes, il est disponible gratuitement. Mais c'est génial! Je le savais. Ok, rue vers l'or. Donc là, ça veut dire qu'on gagne 3 fois plus de thunes. Oh, mais c'est trop bon. Par seconde, alors du coup, donc là le mieux c'est de vraiment dépenser au maximum. Voilà, comme ça, tac tac, on va acheter un lit de soleil. Ils ont appelé ça un lit de soleil, le transat. Why not, hein? Ok, alors par contre, faut que je surveille ma thune directement de ma boîte aux lettres, parce que là va vite être blindée la boîte aux lettres, hein. Voilà, comme si ensuite le porte. Ah bah voilà, j'ai plus de thune. Vite, 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 faut qu'on se grouille. Faut qu'on se grouille. Voilà, n'oubliez pas que d'aimer le jeu. Oui, merci, c'est... Ah voilà, bah c'est terminé. Ok, on a combien? On va 2200. C'est pas mal. Waouh, ma va tellement être stylé. Non mais ça va être stylé de ouf. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est un club. Ok, d'accord, c'est le magasin des... très bien. Pour les rebirths. Ah, je me dis bien qu'on pouvait faire des super saltos. Regarde ça. Je crée même un nuage. Le nuage magique. Nuage magique. Voilà, on peut prendre ça. Ok, merci. Les 100. Pas mal du tout. Je pensais que j'allais avoir 1000, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Pet shop. Oh, c'est pour avoir les pets. Énorme! Alors c'est combien, mangeur? Je viens pour acheter les pets. Alors on a les pets à 10 000, les pets à 30 000, 75 000 et 800! C'est 800 Robux, hein? C'est... Ah! C'est bien 800 Robux. Bon, bah on reviendra quand j'aurai un peu plus de thunes, là, parce que là, pour le moment... Alors ça, c'est quoi, ça? Ok, maison, porte ouverte, ça roule. Oh, système de TP, un truc pour les admins. Les voitures! Ah! C'est quoi ça? Je vais... on va quand même attendre. On va quand même attendre. Non, tu sais que je le prends maintenant. Je voulais maintenant. Voilà, en plus il est à moitié pris, c'est parfait. Voilà, comme ça. Ok, je vais pouvoir obtenir des voitures tellement classe. Est-ce qu'elles sont... Attends, il faut peut-être que j'ai le garage. Non, parce que si tu me dis que je me fais arnaquer, là je vais péter un boulard, hein, je te le dis, hein. Ok, alors collecte automatique, ça on aurait pu le prendre. Ouais, non, allez, vas-y. On fera des petits allers-retours, hein, tu me diras. On n'est pas spécialement loin.
Voilà, ça en récupère. Nickel. Oui, collecté. Oui, c'est... Ah bah, bah oui, c'est ce que je voulais prendre. Ok, alors donc, là on a quoi? On a les lampes, les cadres de porte, les fenêtres. Ensuite... Oh, il y a tellement de fenêtres à acheter. Mais c'est un truc de ouf. Le petit tapis, là. Voilà, maintenant j'ai 5000 de thunes directement dans le portefeuille. On va pouvoir bien sûr acheter bah, les télés, tout simplement. Enfin, la télé, hein, les télés. On va dire comment c'est cuit, ce sera déjà bien. Ensuite, le canapé, très bien. Ensuite, on a quoi ici? On a un mur, ok. L'étagère, très bien. Y a pas un speed? Non, d'accord, y a pas de speed, ok. C'est juste pour acheter de la thune. Oh! C'est quoi ça? On fait une... Hein? Une... C'est quoi? C'est une banque de PQ ou ça se passe comment là? C'est les grosses réserves à ce que je vois, hein. D'ailleurs, comment on fait pour atteindre les anneaux? Faut peut-être un hélicoptère. Oh, les lumières! Très bien, les petites étagères. Stylé. Ensuite, la petite porte. Oh, mais cette maison, elle va être tellement grande. Ça va être... Ah oui, par contre, là, il manque le sol. Là, on est d'accord. Il manque un truc, là, non? Ensuite, donc là, on va prendre la barre. Vous savez quoi? Je vais prendre la collecte automatique. Voilà, l'auto-collecte. Comme ça. Voilà, on va récupérer la thune. Automatiquement, il y aura, voilà, il y aura plus besoin d'y retourner. C'est parfait, voilà, comme ça on va prendre ensuite la petite barre, très bien. Les fenêtres, ok, ça roule. Le plancher, très bien. Le tableau, oh là là, tellement de trucs, et ça continue de monter. Attendez les amis, je viens de capter aussi à main qu'on a carrément des quêtes. Mais attends, mais c'est génial. Du coup, ah oui d'ailleurs, j'ai obtenu regardez, le ressort. Voilà, ça c'est parce que bon, on a joué un petit moment, tu vois. Donc on a obtenu le ressort, très bien. Donc là, les quêtes, c'est livraison de pizza, 500$ seulement. Bonjour, une pizza 4 fromages, d'accord, c'est là-bas. Ah bah ça tombe bien, on a carrément un truc. Oh, on peut sauter tellement. C'est quoi ça? Ah oui, que 100, c'est vrai. Donc je vais livrer la pizza. Allez, envoie la thune. Très bien, nickel. On peut sortir de la map, ça veut dire? Non mais, on peut quasiment sortir de la map. Ah ouais, on peut atteindre aussi les anneaux comme ça. Ça roule. Alors ensuite, donc la quête. Mais attends, mais je viens de la faire là, la quête. Je vais pas avoir que des quêtes de pizza yolo là, non? Ok, on va retourner là-bas. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu aussi acheter un pet, mais je crois que c'était 10 000. C'est, ouais, c'est 10 000 le premier. Ok, très bien, on va aller. Non, mais attends, en plus, c'est méga loin! C'est tellement loin! C'est vrai qu'on a toujours Cloud avec nous. Est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas? À venir bientôt, d'accord, très bien. On peut pas encore l'améliorer, ça roule. Et on peut avoir que deux pets, hein, d'ailleurs. Ouais, donc la pizza, c'est livré. Ouais, ok, d'accord, très bien. Que des quêtes de pizzeria, tu sais. Ok, bon, du coup, alors attendez, on va maintenant aller acheter, vu que j'ai pas loin de 10 000 pour acheter un pet. Oh, je vais acheter un pet. Vas-y, j'y retourne. Attention, poussez-vous. Attention, madame. Attention. Voilà, hop, là, j'arrive au centre-ville. Ça va, je suis vraiment à côté du centre, hein. Et on va aller acheter, du coup, le pet à 10 000. Ouh, on peut en épique. C'est une girafe. Ce serait quand même fou qu'on obtienne l'épique et on obtient un chat. Bah, c'était un commun, mais écoute, c'est mieux que rien. Donc, alors, on va équiper le pets. Donc, il donne plus 15. Ça roule. Ok, plus 15. Très bien. Voilà, donc là, on gagne un peu plus de thunes. Bon, c'est toujours ça en plus, hein, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir prendre... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les clôtures. C'est vrai qu'on devrait peut-être d'abord faire les trucs les moins chers, hein. Hein, ça pourrait être sympa. Et je pense que pour la vitesse... Il nous faut un ressort exprès, tu vois. Ok, donc ça c'est bon, on prend les arbres. Voilà, ensuite on va faire tout le tour comme ça. Et on est maintenant, les amis, à 13 000 de thunes. On va pouvoir justement regarder acheter tout ça. Voilà, très bien, vas-y, envoie la monnaie. Nickel. Oh là là, ça va être stylé de fou. Ça va être stylé. Ah oui, attends, j'aurais peut-être dû prendre encore une fois de plus l'extérieur, non? Parce que là, je pense pas que je suis au maximum. Attendez. Oh, le méga jump. Accrochez-vous. C'est quoi ça? Trampoline. Bah tiens, ça tombe bien. Alors ça non, ce n'est pas un trampoline, c'est un plongeoir. Mais c'est pas grave, hein, c'est bien tenté quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Oh, l'héliport! Alors l'héliport, il faut un rebirth. D'accord, très bien. Non mais écoute, c'est tout, c'est... Ah bon, les gens, comment ils volent de ouf. Oh, c'est un truc de ouf, hein. Il manque justement des clôtures. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait se TP en fait. Directement, non pas là directement, mais avec... voilà, la planète à gauche pour aller directement à la zone du parc, c'est-à-dire là où il y a les, bah, les pets en fait, hein. Donc j'aurais pu faire ça directement tout à l'heure. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'est vraiment où il est en sable, le canap là, ouais, on dirait la texture du sable de Roblox. Ok, donc là, fenêtre, tableau. C'est quoi le tableau? Il est où? Bah, oh, j'ai payé pour un tableau, ça c'est pas un tableau, c'est un luminaire ça. C'est une ampoule. Ok, les petits livres. Oh, wow, c'était 2500 l'escalier. J'aime bien, ils appellent ça un chemin de fer pour les barrières. On va réinventer les mots. Je me fais attaquer par une bibliothèque. Ok, donc là on est bon. Très bien, qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est un coin sofa, c'est ça? Un coin tranquille, tout ça. Alors le tableau, hein, le fameux. Oui, ça c'est vrai que c'est un beau tableau ça. C'est une télé, hein, mais bon. Très bien, donc là on a la petite zone. Ok, là on va terminer. Alors, on fait d'abord tout le rez-de-chaussée.
Oh, c'est la salle de bain. Je crois que c'est la salle de bain. Oh ouais, c'est ça. Oh, mais c'est énorme. Ah ouais, 1 200 $ les chiottes. C'est les chiottes en bronze ou ça se passe comment là? Parce que... Ok, la petite salle de... La petite douche. Non mais la douche quoi. Oh, elle est tellement grande. Alors j'arrive plus à savoir si c'est un miroir ou une télé en fait. Tu vois. On peut s'asseoir dessus? Non, on peut pas. D'accord, très bien. On peut juste l'escalader. Il manquait des trucs je crois ici, non? Ah, il manquait la petite pièce ici là. Enfin, petite pièce, on dirait la cuisine. Ah bah c'est ça, oui, c'est la cuisine avec le frigo, le tableau, la chaise. Oh là là, regardez ça, c'est tellement propre. Le petit tabouret de bar, tout ça. Génial, franchement, cette cuisine, elle est tellement grande. Ici, on a quoi? Alors, j'imagine... Ah, la porte de garage. Oh, les caisses à outils et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une crème glacée. Ok, des feux d'artifice, hein, pourquoi pas. Attends, je vais tout prendre, hein. Voilà, on va prendre les ice cream. On va prendre l'espèce de bûche, là. Qu'est-ce que... Ça marche vraiment, ça? Ah! Waouh! Mais c'est stylé! Mais c'est tellement stylé! Attendez, je vais recommencer. Mettre en hauteur. Oh! Mais c'est beaucoup trop beau! En plus, c'est jamais les mêmes feux d'artifice, ça! Mais c'est génial! Oh là là! Et là, du coup, c'est quoi, ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je sais pas à quoi ça sert. Et ça? Bon, ça, c'est une glace, ça, on connaît. Gel de cerveau. Ah! Dommage. Dommage. Oh, l'allée et tout! Mais non, mais c'est ouf! Une Camaro! Il y a une R8! Mais non! La voiture d'Iron Man! Attends, donc là, c'est la Camaro Chevrolet. Oh là là! Ça, oui, non, je veux pas la pousser, je veux la conduire, en fait. C'est... Ah! Faut passer par le pare-brise. Oh là 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 là! Oh, Camaro! Oh, mais elle est tellement bien faite! Ah, j'ai obtenu un nouveau ressort. Ouverture du portail, Alfred. Wow! Ça a bien changé, les sièges éjectables, hein. Voilà. Oh là 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 là. Regardez ça, quoi. On peut prendre les caisses? Non, on peut pas prendre les caisses. Oh, elle est tellement bien faite, hein. Franchement, génial. Elle est vraiment géniale. Donc là, on va éviter de rentrer dans la maison des collègues. Attention! Accrochez-vous! Wow, wow! Ok, attention, on est à 11 000! Oh là là, là-dessus, frein. Ok, et là, du coup, je vais la garer. Juste ici, du coup les voitures en fait je me suis fait arnaquer en fait. C'est en mode j'ai pas obtenu la Lambo là qui est en photo là. Ok bon, qu'est-ce qu'on a ici? La R8. Regarde un petit peu. Elle est où? Ah oui, il faut la faire apparaître. Ah bah apparaître sur la Camaro. Oh là là. Oh là là. Elle est tellement belle. Tellement belle. J'ai lire l'Aguera en même temps mais oh là là. Mais on peut pas la prendre mais l'Aguera. En plus j'ai payé le truc en bucks. Ah. C'est quoi ce carton en ciment là, en béton armé là? Quand tu rentres dedans, tu te... Attention! Les gens qu'on va faut les esquiver quoi. Ok, il n'y a pas de volant. Bon, du coup, allez, attention! Voilà, et on arrive directement pour se garer. Pardon! Bon, je m'accidente moi-même mes voitures, c'est pas très grave. Hein. Ok, voilà, on est sorti. Et là, du coup, on a la Guira, c'est ça? Ah, ça a fonctionné! Yes! Oh là là! La Ferrari! Peut voir un peu. Non, mais les voitures! Mais elles sont ouf! Elles sont ouf! Regardez ça! Mais attends, mais qui a un garage comme ça? Oh là 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 là! Elles sont tellement bien mises que j'ai pas envie de les conduire, quoi! Franchement, tout est bien mis, quoi! Bon, du coup, on va continuer! Ouais, ouais, moi, il me faut pas grand chose, hein! Ok, bon, du coup, enfin, pas grand chose, c'est quand même. Ah, je peux passer à travers la porte de garage, pas de soucis, écoute, moi, ça me va! Alors, ensuite, les amis, on va continuer! Cette fois-ci, je pense qu'on va pouvoir attaquer l'étage! Oui, parce que j'ai terminé, bientôt. Quelqu'un qui me vole ma voiture! Non, c'est bon! Ok, donc, on va acheter le chemin de fer! Le chemin de fer! Voilà, donc les barrières, hein, vous l'avez compris! Le plancher! Yes! Contrôle de peinture! Ah, oh, c'est pour repeindre la maison! Fais voir un petit peu. Fermez la porte. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec un feu d'artifice dans mon garage, on dirait bien. Et du coup, donc. Ah, il a fait apparaître mes voitures. Ah! Ok, alors, du coup, si je vais au niveau de maison et que je vais dans toit. Oh! Ah ouais, je peux peindre et tout. Donc, si je mets par exemple. Ah, mais d'accord, faut payer, d'accord. Donc, si je mets en vert, ça va. Voilà, ça, regardez, ça change le toit. Regardez, ici, en vert. Voilà, donc c'est beaucoup trop stylé en vrai, hein. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Ensuite, donc si je change et que je mets du coup marron, comme ça. Yes! Ça fonctionne!
Mais c'est beaucoup trop stylé. Ah bah attendez les amis, je viens de capter que là j'ai assez d'argent justement pour peut-être acheter un nouveau pets. Du coup direction la zone du parc. Non c'est de l'autre côté, voilà c'est par là. Donc du coup donc l'animalerie, alors là on va pouvoir prendre un pets à 30 000. Attention, allez l'épique, s'il te plaît là, je veux l'épique là, l'épique là. Mais non, on dirait l'autre en plus sur les boîtes Westos là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les céréales. Mais du coup attends, mais j'ai obtenu Attends, ça se trouve je dis ça mais j'ai obtenu un épique, non. C'est un cheval. J'ai obtenu... C'est un rare. Non, c'est un rare. Bon, il fait combien? Ah! Plus 75! Eh, c'est pas mal! Du coup, on va pouvoir enlever bah, le chat, en fait, hein, parce que... Bah, voilà. Il rapporte pas assez, il y a un dommage. Très bien. Bon, du coup, on va peut-être revenir pour acheter un autre pet à 30 000. Ça pourrait carrément être intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord retourner à la maison. Oui, c'est vrai, c'est la planète. Voilà, la planète. Très bien! Et là, du coup, on va pouvoir... Alors, bah, on va passer directement à l'étage. Comme ça, regardez, ça commence à être stylé, là. C'est stylé de ouf. Donc là, je vais acheter la lumière, les murs. Oh, ça va tellement être cher. Ah ouais, mais là, on va perdre tellement d'argent. Ça va être n'importe quoi. On a plus de thunes déjà. Ok, les amis, regardez, c'est bon, j'ai assez de thunes pour acheter un nouveau pet. Alors, j'ai acheté encore une fois de plus un pet à 30 000 et j'ai obtenu, bien sûr, un cheval. Voilà. Donc, je suis officiellement jockey. Voilà. Donc, du coup, donc, on va pouvoir prendre... Oh, il y a un légendaire dedans. Ok, on peut avoir un flic et tout. Excellent. Tu vois, je vais voir le flic, moi, tu vois. Il va dire... Oh non, j'ai obtenu l'autre. Ah, stylé. Le détective. Très bien. Alors, écoutez, 75 000 quand même. Donc, le détective qui donne 130. Donc, deux fois plus qu'un cheval, hein, bien sûr. Donc, on va équiper le détective. Très bien. Du coup, maintenant, direction la maison. On va prendre... Voilà, comme ça. Ok, donc... ça commence à avoir de la gueule, hein, quand même, hein. Ça commence à être bien stylé. Alors justement, attends, la couleur de la maison, tu changes ça où déjà? Je crois que c'était là, il me semble. Voilà. Et là, du coup, bah, le mieux, c'est peut-être mettre vert quand même, hein, histoire d'avoir une couleur. Ouais, regardez, un peu plus différente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc du coup, on va pouvoir acheter. Alors attention, les fenêtres, la bibliothèque, les autres fenêtres. Oh, par contre, ça va aller tellement vite. L'argent descend beaucoup trop vite. Hein. Mais honnêtement, ça va. Tu peux attendre. Tu peux AFK, c'est pas un problème, voilà. Oh, mais c'est quoi cette zone? Oh, la vue que tu as, regardez sur la ville. Oh là là, c'est tellement stylé. Bon, tu me diras, plus j'achète, plus je vais obtenir de la thune aussi, hein, parce que ça s'augmente, hein, les revenus. Ici, on a quoi? On a... Je crois que c'est une chambre. Attends, je vais tout acheter, hein. Là, laisse tomber. Là, j'y vais en masse, hein. Il y a le lit, il y a tout qui passe. Oh, c'est un dressing. Oh, ça sent le dressing de ouf, ça. Oh, oh, par contre, mon argent est descendu tellement vite d'un coup. Oh, cette chambre. Oh là là, c'est ouf. Et là du coup, ah d'accord, c'est en aménagement, très bien. On peut s'arranger ou pas? Non, ok, bon, par contre la vue elle est ouf, hein. Elle est ouf, ok, bon, on va retourner de l'autre côté. Et là on va tout de suite, alors acheter bien sûr le mur, la porte, le tapis. Wow, la petite commode là qui fait plaisir, le tiroir. Oh, là ça y est, là ça va descendre méga vite. Là ça y est, là on va perdre de la thune en masse. Là je vais être bon, hein, pour attendre dans un coin, là dans la pelouse là. Attends, c'est moi ou mes voitures disparaissent à chaque fois? Elles disparaissent à chaque fois, quoi. Bah, on va quand même tester la Ferrari. Hein. Attends, et oh, oh. Et je vais ouvrir tout de suite la porte. Voilà. Ok, du coup, on va tester la Ferrari. Attention. Et c'est parti. Oh là là. Bah, elles ont tous les mêmes bruitages. Hein. Attention. Mais non, mais à chaque fois, je me mange ce cadeau, quoi. Je vais le prendre. Je vais le prendre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. C'est un pet. Ça pète à quelqu'un, en fait. J'ai le seum. Attention. Oh, 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 ça va beaucoup trop vite. On est maintenant à plus de 120 km/h. Oulala. Oh, c'était moins une. C'était moins une. Alors, honnêtement, il n'y a pas trop de terrain de jeu pour les voitures, hein. Donc oh là là. Ok, doucement, doucement. J'arrive. Oh là là, ce dérapage. En vrai, ça va, on a géré. Et on peut refermer les portes comme ça. Et allez, hop là, yes. Petit contrôle à distance, hein, normal. Ok, et il me reste encore 40 000. Bon. J'ai perdu mon pare-choc. Qu'est-ce que... J'ai perdu mon aileron. J'ai perdu l'aileron de la voiture. C'est possible ça? Mais attends. Bah oui, en vrai, j'imagine que oui, mais ok. Je pense que ça va abîmer, mais... D'accord. Je pense pas que la science va comprendre, hein. Je me suis abîmé à la fois la baraque et aussi également... Et aussi également la voiture. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les toilettes de l'étage avec la douche, la lumière... Ok, regardez, là, les 50 000. Hop là, pouf, disparu. Le magicien, très bien. Donc là, on est bien, la petite douche. Oh, c'est la même qu'en bas, je crois. Hein. C'est exactement la même. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, je gagne 416 par seconde. Enfin, toutes les 2 secondes. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Oh là, les gens, c'est avec 600 000 $. On n'arrive pas simplement
termine la maison, je vais pas comprendre, hein, je te le dis. Donc du coup, alors attendez les amis, on a aussi également, regardez, un nouveau pets. Donc j'ai un officier de police avec moi. Vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. Ok, on va pouvoir acheter du coup la plateforme. La plateforme. Oh, what? Alors c'est un balcon, c'est pas une plateforme. D'ailleurs, je passe fouille à travers les murs, hein. Plus rien ne m'étonne, hein, dans ce jeu. Ici, oui, on avait fini, c'était bien sûr la salle de bain. Là, ici, on a quoi? Une chambre. Oh, ça a l'air d'être une chambre, ouais. Ça a l'air vraiment d'être une chambre. Avec un petit placard, très bien. Donc les boîtes pour les chaussures, ça roule. Les petites commodes, les fenêtres, hein, la base, hein, bien sûr. Là, on a quoi? Oh non! Attends, il y a un truc avec un fauteuil et tout. Oh, c'est une zone détente. Ouais, c'est ça. Ah non, quoique, bah non, il y a vraiment un lit. Ok, très bien. Non, mais ok. Paye la chambre de 60 mètres carrés, là. Le truc, c'est une maison. Ok, c'est un appart. Donc du coup, on va acheter les toilettes. Toilette privative, attention, hein, bien entendu. Donc là, on a tout acheté, donc la douche, ok. D'ailleurs, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas de baignoire. Dans une villa aussi grande, c'est quand même dingue, non? Donc là, on est bientôt, on est à 500 de cash, les amis. 500 de cash, c'est un truc de ouf. Ok, en imcom, tu vois. Donc là, on va pouvoir acheter tout ce qu'il nous faut pour le balcon. Oh là là, le tableau. Ah oui, d'accord, quand on dit ce tableau, c'est la table. Je viens de piger l'ami. Oh! Mais c'est tellement ouf! Attends, on a terminé? Mais non. Alors attends, si je mets la maison et tout, enfin les voitures qui vont avec. Ok, comme ça, ok, ok. Et là, je vais changer le toit, on va le remettre comme ça. C'était bien. Oh, tu peux changer la couleur des arbres? Tu crois pas? La couleur des murs aussi. Ok, la couleur des arbres, tu peux le mettre en rouge. What? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Du coup, attends, si je mets vert fluo. Oh la vache, ça pique les yeux, hein, mais c'est quand même stylé. Et ben voilà les gens, on a terminé avec notre villa dans Roblox. Il y a plus qu'à siroter un petit cocktail là les gens, regardez comme ça, bon depuis je suis notre bien avec le petit barbecue, tu vois. Oh, voilà cette villa, elle est tellement belle. Petit tour de drone, hein, gratos, hein, écoute, hein. Oh là là. Par contre, on dirait qu'ils sont... Ils ont été gonflés les buissons, tu sais, c'est en plastique le truc. Ils sont en plastique. Et ben voilà les gens, bah écoutez, on va du coup s'arrêter là pour la découverte de Mansion Tycoon. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si quelqu'un vous invite à lâcher un maximum de likes pour cette maison incroyable. N'oubliez pas aussi également de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et aussi également partager la chaîne des vidéos. Je vous remercie grandement. C'était votre Jumper. Et je vous dis du coup à très bientôt. Allez, on se casse d'ici. Hop, comme ça. Non, mais rentre, t'as perdu tes clous ou quoi? Ciao, les amis.